Collaborateurs, les conseils du chef de l'État que vous apercevez, ils sont déjà sur pied depuis quelques minutes en train d'attendre l'arrivée du président, son excellence monsieur Bassirou Diomar Diakhar Faye. La garde rouge, le détachement de la garde présidentielle qui sera commandé ce matin par le lieutenant John Michel Ndiaye qui va rendre les honneurs militaires au président élu. Et juste après son entrée, vous allez entendre après l'hymne national et tout ça, il va dire « Son Excellence, les honneurs militaires vous sont rendus par un détachement de la garde présidentielle commandé par moi-même. Excellence, mes devoirs. » Donc, vous entendrez souvent cela. Et l'arrivée des chefs de l'État également, vous entendrez ça. « Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous sont rendus par un détachement de la garde présidentielle commandé par le lieutenant John Michel Ndiaye. Mes devoirs, Excellence. » Voilà. En tout cas, vous allez vous y habituer ce matin avec ce ballet des chefs d'État. Ils sont nombreux. Beaucoup de chefs d'État sont venus aujourd'hui. L'honorable député Farbangom, que l'on voit également, un proche collaborateur du président Macky Sall, le directeur général, M. Racine Talla, est également là. Donc, l'escorte, le cortège présidentiel n'est plus loin, en tout cas sur la corniche, n'est plus loin du boulevard de la République ou bien de l'avenue Léopold-Sédar Senghor. Donc, et juste dans quelques minutes, vous allez voir son arrivée. L'honorable député Farbangom qui discute avec le directeur général de la RTS, Racine Talla. Des très belles images de ce matin. On l'a vu, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Il l'a démontré plus d'une fois. Ça, c'est beaucoup d'alternance. Il y a eu la troisième, deuxième alternance en l'espace de 24 ans déjà. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un parti d'opposition arrive au pouvoir dès le premier tour. Et ça également, c'est à noter. Et ça montre que les Sénégalais, dans leur grande majorité, avaient une seule envie, alors de changer dans les règles de l'art. Ça s'est fait sans anicroche, ça s'est fait également de la façon la plus transparente et la plus également de ce qui soit. J'entends en fond sonore alors ces ovailles et ces cris hystériques qui montrent combien les populations sont contentes de vivre aujourd'hui ce jour-là. Quand le motard qui servait de flèche s'immobilise, moi, il y a une autre chose. Quand il y a une autre chose, il y a une autre chose. Vous l'avez parfaitement dit, on a vu tout à l'heure, je le disais, le secrétaire général de la présidence de la République qui est arrivé avec une pile de dossiers, Khali. Également le secrétaire général du gouvernement, Seydou Gueye, qui est arrivé lui également avec une pile de dossiers pour préparer la passation de pouvoir entre les deux excellences, son excellence Macky Sall et son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va transmettre, donc le président Macky Sall qui va lui transmettre les rênes du pouvoir. On est dans quelques instants. En tout cas, vous allez voir l'entrée en fonction du président, du nouveau locataire du Palais de la République. Là, nous sommes à la place Washington. Vous savez, entre la place Washington, qui est juste en face du ministère de l'Intérieur, et le Palais de la République, c'est juste quelques mètres. Donc, il n'est plus loin des cris du Palais de la République. Le chef d'État est là avec son ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, le président de l'Assemblée nationale, Amadoumam Diop, est également là. Le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, est en train d'attendre le président élu en compagnie du directeur général de la RTS, M. Racine Talla, qui est également là. L'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, ils sont tous là ce matin. L'honorable député Farbangom également. Tout le monde est là pour dire merci au président Macky Sall pour l'œuvre immense qu'il a bâtie à la tête du Sénégal. Vous savez, ces 12 années ont été 12 années de prospection et de prospérité. Et ce sont les coups de canon que l'on entend actuellement.
Apparemment, ce sont 21 coups de canon. Ah oui, c'est le cérémonial. Hein, et voilà, c'est solennel. Et ça, c'est le rituel de la République qui marque les fastes de la République. Vous savez, rallier la République à ses fastes, à ses rituels. Et l'investiture d'un chef d'État, c'est tout un rituel. C'est beaucoup de fastes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une fête également. Comme l'élection a été une fête, ce jour d'investiture, d'intronisation est une fête du nouveau président, mais également une fête. Également, les Sénégalais, c'est l'occasion également pour les Sénégalais de dire merci au président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Aujourd'hui, il part avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup de réalisations ont été faites au niveau du Sénégal, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan universitaire, avec ses nombreuses universités. Aujourd'hui, voilà, le cortège présidentiel est là, à quelques mètres des grilles du palais de la République. Khalid Seck, je vous laisse commenter juste le temps de reprendre l'entrée en fonction du président. Linak moy kilifa gi nga xamné mo done président Bachir Diomaye yexina fekk fi kilifa mo done président Macky Sall li mu nek lo xamné ni c'est des moments extrêmement importants dans la vie d'une nation ndax nak askan wi ci bopam ñoy yor sen sañ sañ ñoy djébali itam sen sañ ñoy djébali itam la nga xamné ni mom mo doon danaka cër ba ñi joxé tay ji nak ñi téromi di président Macky Sall réew mi djébal nañ ko cër mu doxal ko ba réew mi ne ko jaajeuf nak tay ji ñu denk ko nak ki nga xamné mo doon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga ko tay ji danaka ñey war gawari ak ñi nga xamné itam ñoy war mobilé di ak wota yépp ak ñi nga xamné ñëpp itam war dar nañ ko ngir xamal ko nak ne ko nak mbir mi nak tay ji bës ni ki tay tolok ñaari fan ci wéru avril wi ñu nek ni moy bis bi nga xamné nak ya tuddu président de la République du Sénégal parce que la cavalerie Khalid alors moy gawar gi moy gawar gi di mandarga rek la solennité de cette manifestation la solennité raison pour laquelle le conseil constitutionnel s'est déplacé aujourd'hui alors au niveau du centre international de conférence Abdou Diouf pour présider la cérémonie d'investiture c'est une cérémonie qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal et ailleurs et c'est presque le même cérémonial empreint de solennité et des moments extrêmement forts et ça c'est un détachement également de la garde présidentielle ces gardes rouges avec cette escorte cavalière de la présidence de la République. Alors ces chevaux que vous voyez, ce sont des chevaux qui sont très bien entretenus et qui sont entretenus et qui se trouvent au le camp Samba Djiri Diallo de Koloban. C'est là où se trouve en tout cas le centre de commandement de cette cavalerie présidentielle avec des chevaux qui ne sortent que pour la circonstance ce jour comme celui-là. Ces chevaux, la cavalerie présidentielle et la fête de l'indépendance également. Gagnou kawé ñu ñu fonk itam mu nek ay visite officielle yo xamné ni dañ koy mandargal lool ndax li yépp danaka luy darajal suñum réew la boy darajal sam réew nak ba kilifa nga xamné won kilifa réew mi yëngu mba mo genn mba moy am itam gan go xamné itam dafa tollok mom dayo mu koy téru kon dañ koy gënal ne ko kat tay ji nak lepp luñ amone ci aptar lepp luñ amone ci yéré république bi dañ la koy gënal xamal nak dañ la koy dalal ndax li xam nga dañ ko yag di gis danaka bo xolé yeen kilifa yi mba sax ñu wayjuri buñu julli ji won ba ñew dañ leen di lalal ay série ding tradition ngir xamal leen ne kat tay ji bisu fer la tay itam dañ leen wara sargal dañ leen wara jox warma ak gëdd bi nga xamne mo tam ki itam lolem li république bi am ci lu rafet ci lu taru ci lu sel ci lu yel ci lo xamne itam da fay mandargal taru rewum senegal dañ ko koy lalal ne ko nak kat li ya ko yeyo ba nga xamne itam non nak lo senegal moko beugé ni ñu défé ko ni comme on dit la république c'est pareil de ses plus beaux atours hein, avec le boulevard qui est décoré aux couleurs du Sénégal le drapeau national que vous voyez partout sur le boulevard de la république l'avenue Léopold Sédar Senghor le drapeau national tricolore vert jaune rouge la garde cavalière présidentielle la cavalerie présidentielle qui escorte jusqu'à présent le nouveau président de la République. Là, il est en train de dépasser. Absolument. Kon dañuy delo lepp xétu delu ñu ko suñu borom la rek ak xamal itam duñu may li kon nak liñu may li dañ koy téek suñu fukki loxo ndax buñu ko téek suñu fukki loxo amana
On assiste à un très beau spectacle, ce défilé des chevaux de ce détachement de la garde présidentielle, l'escadron monté donc avec les chevaux. C'est une parade extrêmement belle que vous voyez avec leur tenue rouge, ces anciens spahis, hein. C'est toute une histoire avant l'indépendance du Sénégal. La presse est venue nombreuse. Les populations de Dakar sont sorties massivement pour saluer le nouveau président et remercier le président sortant, son excellence Monsieur Macky Sall. De très belles images de la garde rouge présidentielle avec cette cavalerie que vous voyez à l'instant, cette parade présidentielle que vous voyez ici à l'avenue Léopold-Sédar Senghor, boulevard de la République. Il y a une parade parce que c'est un moment de communion entre le président de la République et le peuple. Il est dans les cris. Voilà. Ici. Le véhicule est déjà là et on laisse la cérémonie protocolaire. Présenté. Stop. Okay. On voit les coups de canon qui sont en train d'être tirés. Toujours les honneurs militaires qui sont rendus au président, son excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui passe, qui fait la revue des troupes du détachement de la garde présidentielle, qui lui rend les honneurs ce matin, le 5e président de la République. Et sur le tapis rouge, nous écoutons le protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant John-Michel Ndiaye, à vos autres. Monsieur le Président de la République. Voilà, le lieutenant John Michel Ndiaye qui rend les honneurs au Président de la République, son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Excellence, mes devoirs, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le Président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, sortant. Nous vous laissons vivre ces images solennelles. Voilà, le nouveau président élu est là, son excellence, M. Bassirou Diomaye Faye Diakhar Faye, accueilli par le président de la République, son excellence, M. Macky Sall. Alors, toutes de belles images, hein, avec... Une poignée de main, poignée sur l'accolade, hein. Plus accolade, hein, avec le blanc vêtu du président... Et la main dans la main. La main dans la main, Khalid. Les deux chefs d'État se dirigent. Qui viennent ici se dirigent. Il y a deux bâtiments. Et le chef de l'État qui lui présente ses collaborateurs. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop. Ensuite, il y a le premier ministre, Maître Sidiki Kaba. Le président élu, son excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui salue le premier ministre, Maître Sidiki Kaba. Il salue également le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daoudi Diallo, le directeur de cabinet, le ministre Omar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur, Maître Omar Youm, ministre des Forces armées, le président du Conseil constitutionnel, Mamoudou Badiou Camara. Le chef de l'État lui présente toutes ces personnalités qui sont venues ce matin, le président du Conseil constitutionnel qui a intronisé tout à l'heure le nouveau président élu, le 5e président. Ils vont se diriger au salon musique où va se dérouler l'accueil, la poignée de main. Là, ils se dirigent au salon musique. Hein. Salon musique parce que, voilà,
c'est toute une histoire que renferme le palais présidentiel. Vous savez, il y a deux salons. Le salon Gambi, qui fait face au salon musique. Là, ils sont au salon musique. Parce qu'il y a, bien entendu, le piano de Philippe Maguilène Senghor, qui est juste et qui est joué là-bas. Le piano, c'est pourquoi on l'appelle salon musique, pour ceux qui ne le savent. Et la poignée de main est là avec le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui accueille son autre Khalissi à vous. Voilà, cher Bamba, nous les avons donc vus confortablement s'installer alors au salon pour certainement éplucher certains dossiers et puis passer en revue alors certaines questions brûlantes de l'actualité. Puis certainement le moment ne le leur permettra pas. Mais c'est des moments de salam alaik, c'est des moments également. Alors, de félicitations, certainement, le président Macky Sall, il est en train de dire, mais voilà, mais maintenant, vous êtes au niveau, alors, de la station présidentielle, comme le disait l'autre, et que c'est ça la République, c'est ça la démocratie. Je vous félicite ouais. Et je suis content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés alors, de ce symbole de la République qui est le palais de la République. Voilà, c'est un tête-à-tête que ouais. Nous avons l'habitude de voir entre le président de la République et son hôte. Et aujourd'hui, il s'agit d'un hôte exceptionnel qui va, dans un bref instant, prendre... Il est le président de la République maintenant. Okay. Il est le président de la République. Désormais, il faudra dire son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est le président de la République. Il a été donc intronisé. Et il a maintenant toutes les charges présidentielles, toutes les fonctions présidentielles. Vous avez l'écharpe, vous avez le collier du grand maître, vous avez la rosette. Aujourd'hui, actuellement, il a tous les attributs du chef de l'État. Et donc, actuellement, il est là. Le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cinquième président de la République, qui est là et qui est en tête-à-tête avec le président Macky Sall, président sortant, en tête-à-tête, qui se déroule là, au salon musique du Palais de la République. Beaucoup d'humilité, on l'a dit dans son discours, beaucoup de courtoisie à l'endroit du chef de l'État sortant. Ce sont deux hommes qui s'apprécient. C'est la démocratie sénégalaise, c'est le Sénégal qui triomphe. Voilà. Nous allons revenir tout à l'heure avec la sortie du président Macky Sall, qui sera raccompagné jusqu'en bas par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la fin de cette tête-à-tête rally. Di waxtan di ndokalante di nuyonté di siarante di tatagalante lolou moy aduna tay ji nak li nga xamné ni at yi ñu genn mom le président Macky Sall takkon mu don mandal gay rew mi tay ji mom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tak ñew nak fi nga xamné ni modi tay ji nak fi ñu ko deul nga xamné mo wara don nak kërëm gi ko rew mi jox nga xamné ni mom mo don fi nga xamné itam mo don fi muy wad yëngu ci ab ligéyam lolu mom la suñu borom dogal mom la itam askanu Sénégal dogal mom la itam askanu Sénégal nangu mom la itam rew mi nangu nga xamna ci seen biir ndokalante ak siarante ni nga xamné itam mo don kër bo fekkenté dam ngay doga ñew ñu war la jibal ci ab itam ñaakul nga am lo xamné ni mom nga fi fekk am ñoo xam itam ñoom nga fi fekk nuyonté ak ñu gën la xamal li nga xamné ni mom mo doon tak li ngi doon tam liñ lay jébal kayit bi maana jébal kayit ndax nekkul tay dañ koy jébal ci abir way dem lañ koy jébal kayit nak ndax kat li ñu doon def ce qu'on appelle la continuité de l'état mom moy am naam nak amna ay rupture yo xamné ni c'est des ruptures annoncées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais cela également des ruptures dans la continuité. L'État, c'est la continuité, comme on dit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est des ruptures programmées.